Salut les apprentis chimistes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est une vidéo oral blanc de TIPE, donc c'est pas moi qui vais beaucoup parler, c'est l'un de mes étudiants, Charles, qui était en fait le binôme d'Enzo. Donc les deux en fait avaient travaillé sur les biocarburants pour leur TIPE. Finalement, à part les deux premières diapos, il n'y a rien de commun entre les deux, puisque Enzo a travaillé sur un biocarburant qu'il a obtenu par transestérification à partir d'huile végétale, alors que Charles s'est plutôt concentré sur le bioéthanol. Bref, au final, ils ont chacun produit un TIPE entier, comme je vous l'ai dit, à part les deux premières diapos, je crois. Donc pour ceux qui ne sont pas trop au clair, le TIPE, ça veut dire travail d'initiative personnelle encadré. C'est un travail que les étudiants vont faire en environ un an et demi, mais qui vont résumer devant un jury en une quinzaine de minutes. Bref, même si vous n'êtes pas en classe préparatoire, ce genre de projet, ça existe dans d'autres formations, donc ça peut toujours vous intéresser. Je voudrais quand même préciser une chose qui est hyper importante. Mes étudiants, donc en l'occurrence Charles dans cet oral, ont accepté d'être filmés et de publier leur oral blanc sur une chaîne YouTube. Sachant que c'est un oral d'entraînement, ça veut dire qu'il y a encore toujours des choses à améliorer, soit sur l'oral, sur le vocabulaire, sur la diction, sur le diaporama, sur certaines manips ou explications qui n'allaient pas. Mais bref, c'est normal en fait, c'est pour ça qu'on s'entraîne, c'est pour progresser. Et c'est exactement l'esprit de cette chaîne YouTube, c'est qu'on progresse tous ensemble, vous et moi. Moi, je fais ces vidéos d'abord en premier pour mes étudiants, mais aussi pour essayer d'aider d'autres étudiants au passage, parce que après tout, pourquoi pas, si on peut partager, c'est mieux. Bref, vous l'avez compris, l'épinailleur, rentrez chez vous. Ouvrez votre esprit, écoutez un petit peu la présentation. Il y a, je dirais, deux manières de la regarder. Soit vous essayez de suivre un peu plus l'histoire et vous regardez d'une traite. Soit pour ceux qui aiment le détail et qui veulent se focaliser un peu sur les résultats, essayer de les interpréter parfois un peu plus posément, je pense qu'il faudra mettre pause, mais je vous ai mis toutes les diapos en gros plan. Voilà, encore une fois, je remercie Charles pour sa générosité d'avoir accepté de se prêter au jeu et je vous souhaite un bon visionnage. Bonjour, je vais vous présenter mon TIPE sur le bioéthanol. Dans le contexte actuel du réchauffement climatique, dû en grande partie aux gaz à effet de serre tels que le dioxyde de carbone, l'utilisation de bioéthanol comme carburant s'inscrit comme une avancée, car comparé au carburant issu d'énergie fossile, le bioéthanol relâche bien moins de dioxyde de carbone de l'atmosphère lors de sa combustion, car le dioxyde de carbone relâché de l'atmosphère s'inscrit dans un cycle, puisqu'il correspond au même dioxyde de carbone qui avait été consommé par la plante pour sa croissance, alors que le dioxyde de carbone relâché de l'atmosphère lors de la combustion de carburant issu d'énergie fossile était initialement présent sous terre, mais va finalement venir s'accumuler dans l'atmosphère. Également, le bioéthanol est une ressource assez facile d'accès puisqu'elle est composée, sa production est composée de deux étapes, la fermentation alcoolique et la distillation fractionnée. La fermentation alcoolique est un mécanisme qui est pratiqué depuis des millénaires, qui est donc acquis, et la distillation fractionnée correspond à un simple chauffage d'un mélange liquide avec récupération des vapeurs émises. Je me suis alors demandé si on pouvait parvenir à subvenir à nos besoins en carburant issus de ressources fossiles en produisant nous-mêmes du biocarburant de manière artisanale à partir de biomasse inutilisée. Lors de ce TIPE, mes objectifs étaient de parvenir à produire du bioéthanol et également que ce bioéthanol puisse être utilisé en tant que carburant, puisque pour que du bioéthanol puisse être utilisé en tant que biocarburant, il faut qu'il possède une teneur en eau assez faible, car sinon cela pourrait endommager le moteur. Au cours de cette présentation, nous allons d'abord nous intéresser à la production du bioéthanol par l'étape de la fermentation alcoolique et de la distillation fractionnée, et ensuite à l'analyse de la pureté de ce bioéthanol, d'abord par estimation de sa teneur en eau, en déterminant le degré alcoolique de cet éthanol, et également en déterminant le pouvoir calorifique de mes échantillons, pour savoir s'ils peuvent constituer des bons carburants. Tout d'abord, j'ai réalisé une fermentation alcoolique en juin. La fermentation alcoolique est un mécanisme de respiration cellulaire effectué par des levures, c'est-à-dire des micro-champignons. Ce mécanisme a lieu en milieu anaérobie, c'est-à-dire en absence d'oxygène, où les levures vont utiliser le glucose compris dans le milieu pour former de l'éthanol et du dioxyde de carbone. La fermentation alcoolique est composée de deux étapes. D'abord, une première étape en milieu aérobie où les levures qui sont initialement présentes dans le fruit vont utiliser le dioxyde de carbone présent dans l'air pour pouvoir se développer et croître. Et ensuite, une deuxième étape en milieu anaérobie où il va y avoir une production d'éthanol, comme je l'ai dit tout à l'heure. On peut également ajouter des levures externes qui ne sont pas initialement présentes dans le fruit, telles que de la levure de boulanger, dans notre mélange. Cela permet de réduire drastiquement la durée de la fermentation, car on n'a plus besoin d'effectuer la première étape au milieu aérobie, où on attend la croissance des levures. Lorsque la fermentation est finie, les levures meurent et migrent vers le fond de la bouteille. On peut alors filtrer le contenu de la bouteille et le conserver.
Cependant, il faut faire attention aux conditions de conservation de ce filtrat, car l'éthanol ainsi produit peut effectuer une fermentation acétique en présence de dioxygène, une fermentation acétique qui produira de l'acide acétique et de l'eau. Également, cette fermentation acétique est favorisée à température assez élevée, entre 25 et 30 degrés Celsius. Cependant, moi, lors de mes manipulations, je n'ai pas respecté ces conditions. Ainsi, en septembre, 2 mois après mes fermentations, lorsque j'ai voulu distiller mes échantillons, je me suis rendu compte en les ouvrant qu'ils avaient une forte odeur de vinaigre. J'en ai donc conclu qu'ils avaient subi une potentielle fermentation acétique. J'aurais pu essayer de titrer l'acide acétique contenu dans ces échantillons pour être sûr, mais j'ai préféré me concentrer sur la suite de mon TIPE. Ainsi, j'ai choisi de poursuivre ma démarche avec un alcool commercial dont je suis sûr du degré alcoolique. Ici, j'ai choisi un vin commercial, un vin blanc de degré alcoolique 11%. J'ai choisi ce vin car il correspond à peu près à la liqueur que j'aurais pu obtenir si ma fermentation acétique si ma fermentation alcoolique s'était bien déroulée. Ainsi, en deuxième étape, j'ai procédé à la distillation fractionnée de ces échantillons de vin. J'ai procédé à différentes distillations, c'est-à-dire avec des tailles de colonnes à distiller différentes, car la taille de la colonne à distiller influe sur la pureté du produit obtenu. La distillation fractionnée est un mécanisme de purification et de séparation de liquide qui se base sur la différence de température d'ébullition entre plusieurs phases liquides. Et en maximisant les surfaces de contact entre le liquide et la vapeur, on obtient un distillat le plus pur possible. On voit également qu'il y a une corrélation entre la taille de la colonne utilisée, ici 16 cm et 23 cm, et la quantité de distillat obtenu, c'est-à-dire pour une taille assez faible, on obtient plus de distillat que pour une grande colonne. Cependant, ce distillat sera possiblement moins pur. Également, on peut aussi voir qu'on obtient peu de distillat par rapport au volume distillé, à peu près un dixième. Voilà. En mesurant au cours de mes distillations la température en tête de colonne, j'ai pu tracer la courbe d'analyse thermique correspondant à mes distillations. On a la présence de plusieurs paliers de température. D'abord un palier de température à 20 degrés Celsius. Celui-ci correspond au fait que les vapeurs n'ont pas encore atteint la tête de la colonne. Ensuite, un palier de température à 85 degrés Celsius et un autre à 95 degrés Celsius. J'ai choisi de séparer mon distillat en 3 échantillons, pour pouvoir ensuite, en déterminant le degré alcoolique de ces différents échantillons, pouvoir déterminer quelle est la température la plus idéale pour obtenir le distillat le plus pur en éthanol. Pour cela, en réalisant plusieurs échantillons de degré alcoolique connus, échantillons eau éthanol, j'ai pu créer une loi entre la masse volumique de mes échantillons eau éthanol et leur degré alcoolique. J'ai ainsi obtenu que le degré alcoolique d'un échantillon eau éthanol correspond à moins 474 facteur de sa masse volumique plus 474. Avec cette loi, j'ai pu déterminer une estimation du degré alcoolique de mes distillats, tout d'abord. On voit que le distillat 1 et 2 possèdent les plus forts degrés alcooliques. Cependant, pour le distillat 1, c'est-à-dire correspond à une température de récolte entre 20 et 85 degrés Celsius, on a possiblement la récolte également d'ester, ce qui fausserait notre résultat, car notre distillat ne correspondrait plus à un mélange eau-éthanol. Ainsi, j'ai choisi de me concentrer sur le palier de température de 85 degrés Celsius pour mes futures distillations. Et également, avec cette loi, on obtient que pour mes échantillons issus de la petite colonne et de la grande colonne, on obtient des degrés alcooliques de 58,3 et 67,3%, ce qui nous donne des fractions molaires de 0,30 et 0,38, des fractions molaires en éthanol de 0,30 et 0,38. Ainsi, en se reportant au diagramme binaire au éthanol, on peut voir que ma distillation fractionnée a été efficace, car on obtient des distillats qui ont des fractions molaires plus importantes que le distillat qu'on aurait pu obtenir avec une distillation simple, c'est-à-dire où on aurait obtenu un seul palier de température, et on aurait ici une fraction molaire de 0,267. Cependant, elle n'a pas été très efficace non plus, car on obtient peu de paliers, moins de 2, et on est très loin d'atteindre l'homoazéotrope, qui correspond au point où on peut obtenir le degré alcoolique le plus important. Et on voit une nouvelle fois que l'utilisation d'une grande colonne permet d'obtenir un distillat plus pur, car ici,
L'utilisation d'une grande colonne nous a permis d'obtenir une fraction molaire d'éthanol plus importante que pour la petite colonne. Pour vérifier ces degrés alcooliques obtenus précédemment, j'ai choisi de les déterminer également par titrage retour. Ici, c'est un titrage potentiométrique au dichromate de potassium. L'idée du titrage est de mettre en réaction mes distillats dilués avec du dichromate de potassium en milieu acide sous agitation pendant 25 minutes et ensuite de titrer le tout par du sulfate de fer 2. J'obtiens alors, par exemple, pour mon échantillon correspondant à la petite colonne, un volume équivalent de 21,1 ml. Avec ces volumes équivalents, j'ai pu déterminer la concentration en éthanol de mes échantillons, en mol par millilitre, qui est ici de 10-3 et 10-4, de l'ordre de grandeur de 10-3 et 10-4 mol par millilitre, ce qui nous donne des degrés alcooliques de 7,5 et 1,3%, et ainsi des fractions molaires très proches de zéro. Cependant, le diagramme binaire au éthanol présente un homoazéotrope à bas, c'est-à-dire que lors de la distillation de mon échantillon ici de vin qui était à 2 degrés alcooliques 11%, je dois forcément obtenir un distillat qui possède un degré alcoolique plus important que mon échantillon distillé. Or, ce n'est pas le cas ici, ce qui m'a fait conclure qu'il existait une défaillance dans mes titrages. J'aurais pu déterminer cette défaillance en dosant mon sel de mort ou mon dichromate de potassium, mais j'ai préféré me concentrer sur la suite de mon TIPE. Enfin, j'ai voulu analyser le pouvoir calorifique de mes échantillons, ici avec une bombe calorimétrique. L'idée est de pouvoir déterminer le pouvoir calorifique de mes échantillons à partir du premier principe, suite à la combustion de l'éthanol présent dans mes échantillons à l'intérieur de la bombe calorimétrique. La manipulation consiste à placer mon échantillon dans une cuve à l'intérieur de la bombe calorimétrique, de mettre en contact de cet échantillon un bout de coton lié à un fil de zinc, et de fermer la bombe et d'introduire une atmosphère de 30 bars de dioxygène. Cette bombe est ensuite introduite dans un réservoir composé rempli d'eau distillée, eau distillée qui est agitée et dont on mesure la température en fonction du temps. Et ensuite, on procède à l'allumage à la combustion en faisant passer un courant électrique dans le fil de zinc qui va créer la combustion. En mesurant la température en fonction du temps pour mes échantillons à l'intérieur de la bombe, on obtient, et en connaissant la masse d'échantillons introduites et la masse d'eau introduite également, on obtient des pouvoirs calorifiques de 14,8 et 22,9 kJ par gramme pour mes échantillons, sachant que le pouvoir calorifique de l'éthanol pur est de 29,756 kJ par gramme. Déjà, on voit que les ordres de grandeur sont cohérents cette fois-ci. Et également, j'ai obtenu ces valeurs en négligeant la présence d'eau dans mes échantillons, c'est-à-dire que j'ai considéré que mes échantillons n'étaient composés que d'éthanol. Ainsi, on peut voir qu'il y a quand même une grande présence d'incertitude sur mes valeurs, parce que il existe des pertes thermiques dans ma bombe calorimétrique, parce qu'avant la combustion, on voit que la température décroît, et également, car mes échantillons sont de l'éthanol, du coup ils sont très volatiles, et ainsi la masse d'échantillons qui a réagi à la combustion n'est peut-être pas exactement la même que la masse que j'ai mesurée précédemment. J'ai tout de même choisi d'essayer de déterminer le degré alcoolique de mes échantillons en effectuant un rapport du pouvoir calorifique de mes échantillons par rapport au pouvoir calorifique de l'éthanol. J'ai obtenu alors des degrés alcooliques de 49,7 et de 76,9%, ce qui se rapproche des degrés alcooliques obtenus précédemment par la méthode de la masse volumique, et qui montre une nouvelle fois que les valeurs obtenues par mes titrages sont incohérentes. Enfin, en effectuant un bilan des résultats, on voit que suite à mes manipulations, le volume de distillat obtenu sont à chaque fois assez faibles, c'est-à-dire à peu près un dixième du volume distillé. Sachant que pour produire un litre d'alcool, on obtiendrait ainsi que à peu près 100 ml de distillat, et un litre d'alcool correspond à peu près 1 kg de fruits. Et sachant qu'un plein peut correspondre à une vingtaine de litres, ma méthode ne serait pas satisfaisante pour pouvoir produire soi-même du bioéthanol qui puisse nous servir en tant que carburant. Également, on obtient des degrés alcooliques qui sont élevés, mais très loin d'un degré alcoolique de 90%,
Or, cela n'est pas satisfaisant pour pouvoir utiliser mes échantillons en tant que carburant, car la teneur en eau est trop importante et elle pourrait facilement endommager le moteur. Pour essayer d'obtenir des degrés alcooliques plus importants, je pourrais utiliser des colonnes à distiller plus grandes et ainsi possiblement atteindre l'homoazéotrope et obtenir des distillats plus purs en éthanol. Je pourrais également essayer de déshydrater mes échantillons avec l'aide de sels anhydres tels que le sulfate de magnésium ou enfin déterminer un intervalle de température lors de mes distillations plus intéressant pour obtenir des degrés alcooliques plus grand. Cependant, ces trois méthodes poseraient encore un problème sur le volume d'éthanol, de distillat obtenu au final, qui serait encore plus faible. Du coup, elles ne sont pas concluantes. Ok, merci. Tiens, on va changer un peu, je vais venir de ton côté pour les questions. C'est dommage de finir par un truc aussi négatif. Ouais, mais je ne sais pas trop quoi dire de positif en soi. Mais non, mais finis sur. T'as donné des perspectives à la fin. Oui, c'est vrai. Finis sur les perspectives. Du coup, oui, je dis pas que. Oui, ok. Parce que ta dernière phrase, c'est bon, bah au final, ça a foiré. Ok. Donc c'est un peu dommage. Donc première question, déjà, est-ce que tu peux expliquer qu'est-ce que ça t'a apporté la réalisation de ton TIPE? Moi, je trouvais ça super intéressant de comprendre comment on peut produire de l'essence soi-même. Parce qu'en soi, c'était une notion un peu floue que j'avais. La notion aussi de produire de l'éthanol, je savais que dans ma tête, ça me paraissait assez simple, parce que quand j'étais petit, je faisais des vendanges. Mais au final, je me suis rendu compte que ça dépend quand même de beaucoup de choses et qu'il faut être assez précautionneux pour obtenir un bon alcool. Car moi, j'ai vraiment échoué assez lamentablement. Mais sinon, ça m'a aidé aussi à m'éjecter un peu du rythme de la prépa, parce que on est surtout sur du travail théorique, et je préfère le travail manuel, et du coup, ça m'a aidé un peu à penser à autre chose, et j'ai trouvé que ça a été une bonne expérience. Ok. Merci, ok. Bon, tu dis que tu as lamentablement échoué, en fait, tu as juste fait face aux problématiques qu'on rencontre quand on se lance sur un thème. Qu'on n'a pas encore déjà mis en place. Hein, donc mais j'étais peut-être un peu pas assez renseigné également. Je suis peut-être allé trop précipitamment en voulant commencer une fermentation en juin. J'aurais peut-être pu attendre plus longtemps et plus me renseigner sur les conditions nécessaires à produire de l'éthanol. Ouais, ouais. Oui, c'est vrai que la fermentation, c'est loin d'être évident. Ok. Est-ce que tu peux revenir sur le diapo où on a le diagramme binaire? Voilà. Et donc, ta composition du distillat, toi, ce sont le carré et oui. le triangle. Oui, le ça carré, du coup, qui correspond à la petite colonne et le triangle, la grande colonne. D'accord. Ah oui, ok. Donc, on est. Bon, j'allais te demander si on avait deux plateaux théoriques, mais non, on les a pas, mais on est au-dessus d'un premier plateau. D'accord. Alors, admettons, donc ça, tu l'as bien dit, on peut optimiser ta production de bioéthanol en allant vers l'azéotrope. Ça, c'est ce qu'on souhaiterait. C'est quoi le taux d'alcool qu'il faut pour que le biocarburant soit performant? Il faut que c'est un taux d'alcool le plus grand possible, mais en soi, j'ai pas de degré alcoolique. Donc le top, c'est 100%. Précis. Non, parce que ça dépend, parce que une très faible teneur en eau peut être aussi favorable, parce que ça permet une injection plus facile, parce que je crois que c'est une idée que la combustion de l'eau prend plus de place, et du coup, comparé à la combustion de l'éthanol, et du coup, faciliterait l'injection. D'accord. Parce que ma question, c'est de savoir si jamais tu récupères un 95%, ce qui est le maximum par distillation fractionnée, est-ce que tu vois une méthode pour arriver à 100%? Je pourrais réaliser une déshydratation sur. Peut-être avec du. Du coup, comme je disais tout à l'heure, avec des sels anhydres, tels que du sulfate de magnésium. Et sinon, j'avais entendu parler quelque chose sur tamis moléculaire. Mais j'avais l'impression que c'était un peu plus compliqué à mettre en place. Ça marche. Bon bah, cool. En fait, j'ai coupé une grosse partie de l'entretien parce que sinon ça fait des vidéos beaucoup trop longues, mais en réalité, j'ai donné derrière d'autres corrections à Charles pour qu'il améliore sa présentation, etc. Mais voilà, je vous partage pas tout pour pas faire des vidéos qui durent une heure. Après, encore une fois, vos demandes, j'en tiens compte, c'est-à-dire que s'il y en a qui me disent bon, on aimerait bien des conseils de TIPE, on aimerait bien que tu prennes une présentation et la décortiquer par exemple, de voir ce qui est bien, ce qui est moins bien, ce qui pourrait être pénalisant, bref, on peut le faire. En tout cas, moi, je termine cette vidéo là-dessus. Je remercie encore une fois Charles parce que ça a été hyper sympa d'accepter de partager son travail. Surtout que ça n'a pas été un TIPE facile. En réalité, il n'a pas beaucoup insisté dessus, mais il a eu des galères au labo. Ouais, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais franchement, il a été courageux sur son TIPE. Voilà. Donc, encore bravo, Charles. Et puis,
pensez à liker, vous abonner si ça vous a plu, laissez-nous des petits commentaires, et puis moi je vous dis à bientôt. Allez, salut.